Nous allons parler de jeux à faire sur la console PlayStation 2 avec Renald Doré. Bonjour Renald. Salut François. On va commencer avec un jeu surprenant qui nous arrive de la compagnie Midway, The Suffering. Alors, il est aussi disponible sur Xbox, faut le mentionner. Ça, c'est un jeu qu'on n'attendait pas et qui t'a bien surpris. Hein? Vraiment, le Midway, ils ont pas fait les choses à moitié. Ils nous ont fait un beau produit, un jeu dans lequel on joue le rôle de Turk, un prisonnier qui est condamné à mort parce qu'il a assassiné sa femme et ses enfants. Et là, évidemment, bon, on arrive en prison et on se prépare à se faire exécuter, mais là, les choses tournent mal. Oui, il y a un tremblement de terre, puis il y a des monstres qui envahissent la prison. Toi, il faut que tu t'en sortes. Et évidemment, ça nous rappelle beaucoup de jeux de ce genre-là, que ce soit Silent Hill, Resident Evil. Donc, c'est des jeux de survie ici. Oui, vraiment, là, tout est mis en œuvre là, pour créer un sentiment d'urgence. Il faut que tu sortes de la prison, t'es attaqué sans cesse. Le début est un petit peu plus tranquille, mais assez tôt dans le jeu, là, t'es attaqué de tout bord, tout côté, puis tu te défends avec tous les moyens que t'as. Tu peux te transformer aussi. Turk, il y a un pouvoir qui peut se transformer éventuellement, qu'il découvre, qui peut se transformer en monstre lui-même. Fait que d'un coup de patte, il est capable de terrasser les monstres. Là. Il est très, très puissant. C'est un jeu d'ambiance, évidemment. Donc, ça se déroule dans une prison, mais est-ce qu'on se déroule, ça se déroule uniquement dans ces lieux-là? Il y a une bonne succession d'environnements internes et externes. Tu te promènes partout sur l'île, parce que ça, c'est une prison qui est isolée sur un genre d'Alcatraz, là. Puis, tu peux te promener vraiment partout. Une fois que tu trouves une façon de sortir, tu peux accéder à différents lieux. Ça m'a fait penser un peu à Grand Theft Auto, mais sans les autos. Est-ce que c'est un jeu qui est difficile? Non, pas très difficile. Tu peux sauver n'importe où. Fait que quand tu sais que tu vas traverser un bout difficile, tu peux, après ça, te dire, m'a sauvé juste avant, pouvoir commencer. Vraiment, ils ont pensé à tout dans ce jeu-là. Vraiment un beau produit. Il m'a vraiment pris au dépourvu. J'ai été surpris. Bien, parce que Midway, on les connaît pas pour ça. Ça a été, je crois, développé par Surreal Software, ce jeu-là. Le genre de ce jeu d'horreur a été popularisé par Resident Evil. Donc là, maintenant, on a un nouveau titre sur la PlayStation 2, enfin. Sauf que c'est un peu différent des derniers titres. Ça s'appelle Resident Evil Outbreak. Oui, c'est un jeu qui était censé vraiment nous offrir beaucoup de nouveautés, comme la première fois avec un mode multijoueur en ligne. Aussi, il est supposé de pouvoir utiliser le disque dur, le nouveau disque dur de la PlayStation, mais c'est des améliorations, ça, vraiment, que ça paraît bien sur papier, mais dans le jeu, c'est pas si évident que ça, là, que c'est un plus. Le jeu a les mêmes défauts que ses prédécesseurs, on dirait, sur la PlayStation. Il y a certains défauts qui ont été vraiment rempirés, mais c'est vraiment dû au mode de jouer en ligne, parce que t'as des inventaires de seulement 4 items, là, c'est vraiment très peu. T'es toujours obligé de jongler avec des items, de les déposer à terre, de les échanger avec d'autres joueurs. J'ai trouvé ça lourd un peu, puis c'est pas vraiment le fun. Cette partie du jeu-là est pas le fun, mais côté visuel, là, ils ont encore la cote, là, c'est vraiment sublime. Ça se déroule toujours à Raccoon City, les zombies envahissent la ville, mais si on ne joue pas en ligne avec 4 autres personnes, on peut jouer aussi tout seul avec l'ordinateur. Oui, tu es toujours accompagné par 2 autres joueurs contrôlés par l'ordinateur, puis tu peux leur donner des ordres, partager ton inventaire avec eux. C'est pas toujours facile, mais c'est une possibilité de jeu. Puis tu revisites certains lieux que tu avais découverts dans les premiers jeux, là, fait que c'est intéressant pour ce côté-là. Puis tu as 5 aventures à vivre, 5 scénarios à traverser. Ils sont quand même assez difficiles, là, parce que ça va te prendre plusieurs heures, puis il faut que tu les traverses avec les 8 personnages différents. Fait que il y a quand même une valeur de rajoute, mais c'est un peu répétitif parce que tu traverses toujours les mêmes environnements, finalement. Maintenant, on va parler d'un autre jeu de Capcom, qui lui est Onimusha Blade Warriors. Il faut le dire, c'est un jeu de la série Onimusha, mais qui emprunte une voie totalement différente. Oui, ça c'est rien du combat. Tu contrôles 24 de tes personnages préférés de l'univers d'Onimusha, des vilains, des gentils. Puis tu testes vraiment toutes tes habiletés de combat là-dedans. Il y a un mode histoire solo là qui est un peu ridicule parce que tu passes à travers très vite. En 20 minutes, là, tu passes à travers toute l'émission. Puis les dialogues sont répétitifs et nono un peu. Mais le mode vraiment versus, quand tu joues contre des joueurs vivants ou contre des joueurs contrôlés par ordinateur en 1 contre 1 ou 1 contre 3, là, c'est là que ça devient passionnant. Puis c'est un peu farfelu, ce jeu-là. C'est pas sérieux non plus. Tu peux ramasser des maillets de bois puis taper sur la tête de ton adversaire. Il y a des petits canards qui tournent autour de la terre. C'est vraiment le fun pour jouer avec tes amis, là. Vraiment, j'ai trouvé ça super de ce côté-là. Merci, Renald. Ça m'a fait plaisir, François.